Bon, allez. Ouais, vache, j'ai un truc dans la gorge. Ça va pas le faire. Donc, salut à tous et à toutes, c'est moi, Nifersensens, et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final de Poképark. Oui, la grande aventure de Pikachu. Oui, oui. Voilà. Oui, 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 enfin, bref. Voilà, bref, c'était un jeu de mots pourri. Donc, dans l'ancien épisode, on était allé dans la zone fleurie, et on était... Et on devait... récupérer aussi le dernier prisme céleste, c'était Rayquaza, le maître de la zone fleurie, et Rocheuse qui l'avait. Et aussi on a arrosé une fleur gracidée pour pouvoir faire... pour que Chemin ait son autre évolution, je sais pas comment on l'appelle, ou j'ai oublié. Et donc, eh ben, nous a guidés jusqu'aux arbres célestes, avec notre magnifique montgolfière. Et donc là, quand on est arrivé, bah, on devait chercher Mew, parce qu'il aime bien jouer à cache-cache. Voilà. Donc dernier épisode, un épisode qui va pas durer longtemps, je pense. Je me demande, moi, Mew, tu as cherché en haut de la pente? Les Arcelles sont un très bel endroit, franchement. C'est... Hop. On va aller là-haut. Hein. Hop là. Waouh. Mm. Tiplouf était. J'accorde à dire que Tiplouf était en bas avant, mais bon. Mew n'est pas ici. Wow, qu'est-ce qui lui arrive, Pikachu? Dès que je vais dans l'eau, il pète un câble. Attends. Hop. On peut pas aller là, ouais. Alors, les germes mignons là-bas. Attendez. Ah! Excusez-moi. Ça arrive à tout le monde d'éternuer. Oh, Pikachu, au mieux, n'est pas là non plus, non. En fait, Tiplouf a dit qu'il revenait à la montgolfière. Il fallait que l'un de nous reste pour l'empêcher de s'envoler, sinon... Sinon, ouais, sinon on peut partir. Oh, mon Dieu. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, j'ai pas bougé d'ici. Hein? J'étais de l'autre côté du... Et si c'était... Retourne là-bas, vite. Bah voilà, je me disais bien qu'est-ce qu'il foutait là-haut, Tiplouf. Donc en fait, non, c'est Mew déguisé en Tiplouf. Tout s'explique. Et bah voilà. J'allais dire. Ouais, je me souvenais pas de ça. Petit cachotier, va. Et bien pourquoi cet air gras? Tu as trouvé Mew? Ah, tu penses à quelque chose? Est-ce que c'est... Ah ça. Ce que j'ai, c'est qu'on entend un claquement de doigts. Bref, j'arrive pas à croire que tu m'aies trouvé aussi vite. Vous êtes vraiment de très bons amis. Le prisme céleste a été détruit quand les habitants du Poképark ont arrêté de bien s'entendre. Mais vous les avez réconciliés. Le prisme est sur le point de se régénérer. Il faut juste un tout petit peu plus de lien. Je sais, allez Pikachu, jouons ensemble. Si nous devenons amis, le prisme pourra se reformer. Faisons tout plein de défis. Ouais. Ouais, mieux là, mes trois copains sont là. Oui, Même dans un moment pareil, j'ai envie de m'amuser avec toi. Mais ne compte pas sur moi pour perdre exprès. Il faut jouer ensemble de toutes nos forces pour être de vrais amis. Tu es prêt? Ouais. Et alors, allons-y. Alors, on commence par du parcours. Ça, je m'en souviens. Voilà. Qui nous attend tout là-haut. Pikachu s'est tiré un bon coup avant. Ah putain. Faut pas croire, mais c'est quand même assez chaud. Ah non! Putain, parce que si on se foire, on recommence tout depuis le début, hein. Putain, c'est serré. J'ai chaud.
Plus on s'amuse, plus on devient ami. Allez, un duel, je vais me transformer. Parce que monsieur ne peut pas se battre comme ça. Alors, c'est... qu'est-ce qui est le plus fort, les flammes de ma ganon ou ton tonnerre? En garde. It is a good question, my friends. Bon, le duel, ça va. Oh putain, on va faire peur, ça va. Eh ben, on dirait que c'est le tonnerre de Pikachu le plus fort. Eh bien, bravo! Maintenant, essayons avec ce Pokémon. Oui, puisqu'il y a plusieurs duels. Hein. Bah, c'est bien lui. Bah, je ne crains pas ton tonnerre, petite tête. Eh, n'aie pas peur, je me suis changé en Karchakrok. Mais c'est vrai que ton tonnerre ne marche plus contre moi. Oui, c'est vrai, bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de te défoncer. Je suis un peu sonné. Vite, bouge! Ça fait mal que de faire, hein. Comment il se marre? C'est incroyable! Même car j'arrive que t'es pas assez fort pour te battre. Mais heureusement, j'en ai gardé un spécialement pour le dernier duel. D'accord, Tyranocif. Tira nocif. Allez, on regarde. Là aussi, le tonnerre ne marche pas. Hein, donc, Bon, je vais tirer sur ta gueule. Oh putain. Merde. Ah, c'était mal joué. Ah, je vais forcer dessus parce que sinon. Oh bah, j'ai réussi à lui avoir un j'ai perdu! Pourtant, j'avais gardé cette transformation pour la fin. Dans ce cas, il ne reste plus qu'un dernier défi. Faisons la course. Oui, parce que le cache-cache, on l'a déjà fait avant. Alors, la course, sérieusement. C'est putain de dur. Mais putain, mais... voilà aussi le problème, c'est que Pikachu, parfois, je sais pas ce qui lui arrive, il pète un câble. Mais putain, mais... c'est une blague! Ah bah non, c'est bon. Je monte un peu le son. Tu m'as attrapé! Maintenant on est amis! Ouais, on est amis avec Mew! Je sais que c'est bizarre de se réjouir d'avoir perdu un défi, mais je suis vraiment content d'être devenu ton ami. Grâce à cela, le précieux Céleste a retrouvé sa force. Mon pressentiment était juste. Je vous ai venu au Poképark parce que j'étais sûr que vous arriverez à convaincre tout le monde de redevenir ami. Je ne pouvais pas me tromper, la première fois que je vous ai vu, vous jouiez ensemble avec tellement d'enthousiasme. Merci d'avoir réconcilié tous les Pokémon. Allez, rassemblons-les tous. Rassemblons-les tous autour du prisme céleste. Le prisme va se reformer, je tiens plus en place. Peut-être que pour le réparer, il fallait en plus que tu deviennes ami avec Mew. Touche au but, qu'est-ce qui va se passer? Ouf, le Poképark est sauvé. D'accord, vous avez tous des phrases super classe. Allez Pikachu, reformons le prisme avec les éclats que tu as récoltés. Et les amitiés que tu as liées dans le Poképark. Ah, c'est un bon rhume.
De nouveaux Pokémon peuvent participer aux attractions. Veux-tu sauvegarder ta progression? Oui. Ah là là, cette fin. Sauf que bien évidemment. Et puis Jaco m'a dit que des Pokémon super forts étaient venus jouer aux attractions. Des Pokémon super forts plus forts que Brazegali. Essaye de te faire encore plus d'amis et retourne voir Mew. Il a dit que plus tu as des amis, plus il y aura de jolis arc-en-ciel. J'aime vraiment beaucoup le Poképark. J'aimerais continuer à m'amuser ici pour encore longtemps. C'est vrai ça, puisque ça s'est fait tellement d'amis. De ce part, essayons d'en profiter un maximum. Tiens, juste devant la cabane, un panneau, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors voilà, comme ils l'ont dit, il y a de nouveaux Pokémon très forts qui sont arrivés, donc je vous le dis, une fois qu'on termine le jeu, il y a d'autres Pokémon qui se ramènent. Alors bien évidemment, là, il y a un panneau qui s'est ramené, donc le panneau, c'est un code. Voilà. Retournez à l'entrée du Poképark. Signez les gens qui ont créé Poképark. Sauf que nous, c'était le dernier épisode de Poképark, oui. Donc, ils ne mettent pas directement les crédits, pourquoi, je ne sais pas. Mais nous, on va les mettre pour le dernier épisode. Bon bah voilà, c'est terminé. Poképark, oui, la grande aventure Pikachu. Ah, c'était une grande aventure, ouais. Non, sérieusement, ce jeu est très bon, y'a pas à cracher dessus, c'est un peu enfantin, mais moi j'aime bien, je trouve ça marrant. On me dirait, les Mario aussi, c'est un peu enfantin, hein. Donc... Bon, bah, que dire sur ce jeu? Bah, si vous avez une Wii, il faut le faire. Si vous aimez Pokémon, il faut le faire. Je sais pas quoi dire, en fait, parce que j'adore ce jeu, point. C'est tout. Je l'avais déjà dit que j'adorais ce jeu, hein, donc... Je vous apprends rien du tout. Je ne vous apprends rien du tout sur ce que... Je vous ai dit au tout début du let's play, je crois. Juste faites ce jeu. Parce qu'il est très bon. C'est vrai qu'il est facile, il est pas très très long si vous speedez comme un ouf. Bon, moi je me suis fait des amis sur le côté, donc ça rajoute de la durée de vie, évidemment. Mais si vous faites le jeu très 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 rapidement, sans vous faire des amis sur les côtés, c'est sûr que le jeu est très rapide. Hein. J'ai pas compté, mais... Bref. J'ai rien à vous dire, je vais juste vous laisser avec les crédits. Et bah moi, je vous dis que j'espère que cet épisode vous a plu et j'espère que ce let's play vous a plu aussi. Donc laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez, mais bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je crois, Poképark ce n'est pas terminé, il y a encore un épisode à faire, l'épisode bonus de ce let's play, parce que comme je vous l'ai dit, il y aura des épisodes bonus pour certains let's play. Et pour celui-là, il y en a un, parce qu'il y a encore plein de Pokémon que nous ne n'avons pas encore vus, et qui sont très forts. Et il y aura aussi peut-être des Pokémon légendaires, je ne dis pas, peut-être des légendaires ou pas, je ne dis pas. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, vous verrez, si vous regardez. Pour ceux qui ont fait le jeu, bah vous le savez déjà. Allez, je vous dis salut et à la prochaine.